Alors moi, je me souviens, j'étais donc dans l'enseignement et pendant des années et des années, j'étais donc détaché par le recteur et j'ai vadrouillé d'école en école et j'ai chanté, dansé, raconté des histoires aux enfants des écoles en Alsace, au Felsassich. Et une fois par semaine, j'allais aussi à la Roube, c'est en allant vers le Dabo, hein, et en passant dans la forêt, en montant à partir de Romansville jusqu'à la Roube, on traverse une magnifique forêt qui, bien sûr, changeait de couleur au fil des saisons. Et je partais toujours un peu plus tôt et j'avais tout plein d'instruments de musique avec moi et je m'arrêtais près d'une clairière. Je prenais ma petite cornemuse par exemple, je m'adossais à un arbre, je jouais la cornemuse pour moi tout seul et bien sûr pour les arbres et pour les oiseaux. Et quand on s'arrête de jouer brusquement, tac, un concert que je n'entendais pas parce que la cornemuse, elle est assez présente. Et c'est ce souvenir que j'ai voulu retracer de cette période. Beim hab ich mich ganz verknallt, drum geh ich so gern in den Wald. Herz in der Rind, du steh meine Frind, Eiche und Büsche so stolz. Ich setz mich dann zöhne ins Gras, ins Moos, und schon in der Lichtung geht's los. Ich spiele noch hin auf dem Ukulele, Ständel eine Waldmelodie. Jalalalalai, Geiss, die hocken sich zu mir im Kreis. Bald kommen die zu, ein Dachs, ein Hirschkühl, ein Mochter, ein Fuchs und ein Luchs. Da oben im Laub ist ein Fest, da pfeifen sie aus jedem Nest. Ein Amsel, ein Gügüg, ein Lärsch und ein Fink, der ganze Wald macht Musik und singt. Eidechsle, Käfer und Mies, ein Eldis, ein Lach, ein Frosch und ein Haus, die tanzen miteinander im Gras. Vielleicht kommt mal zu mir eine Fee, die spielen dort Ukulele. Sie hat sich erfreut, es wäre schöner zu zweit, im Waldblätterbett so nett.